Hello, donc on se retrouve pour ma routine pansage que je faisais cet été avec Idéal. Donc je commence toujours par mettre du démêlant sur les crins, j'attends qu'il pose un peu, en attendant je vais le brosser avec d'autres brosses. Donc le démêlant c'est un flacon de chez Equistar, je l'aime trop, il est génial, je crois qu'il est au prix de 14,90€, c'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas trop d'odeur, il sent ni bon ni mauvais, il glisse pas trop quand on l'applique sur les crins et franchement il est trop bien, t'en mets pas beaucoup et ça démêle très bien tes crins. Donc après je passe le bouchon. Voilà, je passe de partout, bien les membres, etc., le ventre. Durant le pansage, j'hésite pas à le caresser en même temps un peu de partout, voilà, surtout vers les entrejambes, etc. pour que bah déjà qu'il s'habitue à ce que je puisse aller le toucher de partout et qu'il ne réagisse pas mal au fait qu'un jour, je sais pas moi, s'il est blessé ou quoi, je vienne le tripoter par ici. Et un peu la tête. Et donc là, la tête, vous voyez, par rapport au tout début des premiers pansages que je vous ai montré, il bouge pas du tout, il lève pas la tête, au contraire, il la baisse. Et après, voilà, je brosse à nouveau l'encolure. Donc là, c'est un endroit qu'il le gratte tout le temps, donc il adore quand je passe ici. Donc j'essaye de rester un petit moment pour lui faire du bien. Ensuite, une fois que j'ai fini de passer le bouchon, je passe la brosse à crins. Donc, je commence par le toupet et le quelques crins qu'il a de ce côté. Et ensuite, je vais faire la queue. Donc, voilà. Comme vous voyez, Idéal ne bouge pas, il s'en fiche royalement. Du coup, voilà, je lui brosse les crins. Alors, moi, j'adore brosser les crins. En fait, c'est vraiment la partie du pansage que j'adore. Même s'ils sont hyper emmêlés et tout, que c'est compliqué, j'adore ça, je trouve ça hyper... je sais pas, ça me détend, j'adore ça. Et là, il y a des mouches donc qui bougent, du coup ça m'énerve. Voilà, donc je viens finir la queue. Il est embêté par les mouches, le beau, c'est super chiant. Et ensuite, je finis la crinière, donc je vais tout lui remettre du même côté. Parce que moi, je préfère quand il est comme ça. Je pense que par la suite, je ferai peut-être une brosse, je ne sais pas, je verrai. Dites-moi en commentaire si tu penses que ça lui irait. Et dites-moi en commentaire si tu veux une présentation de ma boîte de pansage, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais je sais pas si ça vous intéresserait vous par ici. Je
Voilà, donc le pinçage est fini. Donc là, j'ai fait un petit pinçage tranquille. Et ensuite, on a été dans le manège avec mon copain pour travailler idéal. Et en fait, il a trouvé une balle de tennis et il croyait que c'était une pomme. Et franchement, il m'a fait trop rire. Parce que Bichette, il voulait essayer de la manger, mais en fait, voilà, c'est pas possible quoi. Du coup, ils ont joué comme ça pendant bien un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à nous rejoindre sur Instagram. Je suis très active là-bas.